Le Tchingu, c'est Sam du blog samedrama.fr. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un drama chinois. Un drama chinois dont vous m'avez beaucoup parlé en commentaire. Et vous me connaissez, je suis méga curieuse, il a fallu que j'aille regarder. Well, Into the Love, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui tente désespérément de percer en tant qu'actrice. C'est vraiment son rêve, elle fait tout pour, mais ça fonctionne pas hyper bien. Cependant, un jour, elle fait un malaise et du coup, elle est emmenée à l'hôpital. Et elle découvre qu'elle est atteinte d'une leucémie. Maladie qui, selon le médecin, ne peut être guérie que par un don. Sauf que le seul donneur qui serait compatible refuse catégoriquement. Et notre héroïne va réussir à trouver le nom de ce donneur et va tout faire pour le convaincre, bah justement, de la sauver. Sauf que celui-ci, c'est le grand PDG d'une société hyper froid, hyper arrogant, qui ne semble pas du tout avoir envie de l'aider. Et au bout de nombreuses tentatives, elle réussit à le convaincre. Et celui-ci lui dit, ok, mais si je te fais un don, toi, tu dois m'épouser. Alors l'héroïne, elle est en mode, bon, bah, ok, quoi. Donc, on est donc dans une histoire d'amour assez cliché et habituelle, celle du mariage sans amour. Mais, et ça m'a beaucoup étonnée, j'ai pourtant eu le plaisir de découvrir un héros qui était plutôt attentionné envers notre héroïne et qui, sans en faire trop, prend vraiment soin d'elle dès le début. Et je me suis dit, tant mieux. Et le couple, dès les premiers épisodes, montre une vraie alchimie. Et j'étais super ravie parce que ils ont des moments ensemble qui sont trop mignons, ils sont complices, ils partagent vraiment des choses très très belles à l'écran. Et j'étais clairement à fond dans le couple. Je me disais, waouh, ça risque d'être un coup de cœur, vraiment, j'adore. Sauf que, à l'épisode 10 ou 11, je sais plus trop, mais bref, à la moitié, il y a eu un cataclysme. Il y a eu la révélation qui fait que le drama prend une toute autre tournure. Et le pire, c'est que là, je peux même pas vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler à mort parce que c'est vraiment un énorme spoil. Mais tout ce que je peux vous dire, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui a fait que pour moi, cette histoire d'amour ne pouvait plus fonctionner. Et grosse déception du coup, parce que moi qui kiffais le couple principal, là c'était mort. Cependant, et ça je suis obligée de le reconnaître, j'ai continué le drama et je l'ai même terminé parce que je ne me suis jamais ennuyée. Il y a plein de rebondissements de situation, il y a le super méchant qui commence à prendre la main sur le drama, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent, t'es obligée d'être à fond dans l'histoire. Mais le couple principal, pour moi, dans la deuxième moitié, c'était fini. Je pouvais pas passer outre. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est de lire plein d'avis hyper positifs sur ce drama qui ont surkiffé la romance. Mais les gars, c'est pas possible de nous faire un héros qui agit de la sorte. C'est pas possible. Tout n'est pas pardonnable par amour. Je suis désolée, mais là, voilà. Enfin, je peux pas vous en dire plus. C'est méga frustrant. Donc, pour ceux qui ont regardé le drama, franchement, allez voir mon avis complet sur le blog où je peux développer. Et vous, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je sais pas, moi pour moi c'est blocage direct. Cependant, parce que oui quand même, j'ai trouvé que notre héros était un personnage complexe, hyper bien écrit. Et même si du coup la romance c'était juste pas possible pour moi, le héros, lui, il prenait vraiment en profondeur et on découvrait vraiment plein de facettes de lui que je trouvais bah, très intéressantes au final. Et notre héroïne, elle est pas si cliché que ça aussi, hein, parce que franchement, elle veut pas du tout se servir de son argent à lui pour devenir célèbre, elle veut se débrouiller par elle-même, elle veut être indépendante, donc non, ça m'a beaucoup plu, elle a beaucoup de caractère. Donc, en conclusion, juste pour vous dire, moi je suis méga déçue de ce qui se passe à la moitié du drama. Et pour moi, ce n'est ni pardonnable, ni entendable, c'est beaucoup trop violent. Mais je vous conseille quand même le drama parce que bah, c'est quand même un bon divertissement. Moi, je me suis jamais ennuyée. C'est juste que, bah, dommage quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez aimé le drama ou non et pourquoi. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça va mieux, popo. Bye bye.